Bonsoir, je suis Bob Lennon. Enfin, Troll Lennon, exactement. Et je suis en compagnie de Fanta, Fanta Clown. Bonsoir, Fanta. Salut, c'est le clown Fanta, les petits éléphants. Voilà, avec ta tête, c'est plutôt c'est le clown Fanta, les petits éléphants. Elles sont où les âmes? Les âmes délicieuses. Et nous sommes toujours en compagnie de Duni et Tenchi, qui nous avaient rejoints lors de la vidéo précédente. Bonsoir, Duni. Bonsoir, Tenchi. Bonsoir. Bonsoir. Ah ouais, il essaie de faire la voix de rap, et c'est comme ça, mais... Enfin bref, c'est... Ouais, l'épouvantail, il essaie de nous faire. Ah, attendant, content de vous retrouver les mecs, content de vous retrouver les amis. Aujourd'hui, on va se faire un braquage or, et on n'avait jamais fait. Hein. Et en fait, c'est une banque classique, sauf qu'à l'intérieur de la banque, il n'y a pas de billets, il n'y a pas de coffre ou autre, s'il y en a plein, mais on s'en fout. Il y a sur la table des beaux gros lingots de Picsou sa mère. Et ça, on aime. C'est ça qui est bon. Allez. Ouais, alors, et par contre, c'est un niveau professionnel. Hein, donc ah, par contre, ça, c'est le maximum. Un inventaire, les enfants, là, vous équipez. Hein, vous prenez les armures, vous prenez tout. Vous prenez les armes, vous prenez la guerre, ouais, vous préparez en mode Rambo. Hein, vous mettez... Lévi. Ouais, c'est ça. Lévi. Il a craqué. Vous mettez tout ce que vous avez de plus fat en termes d'armure. Le deuxième gilet est meilleur que le troisième. Oui. Il est plus visible, voilà. Mais il est meilleur. Ok, très bien. Bah moi je suis ready. Et vous? Okay. Pareillement. Tu mets pas le deuxième. On essaye de faire le plus stealth possible, hein, histoire de retarder un peu l'arrivée des méchants. C'est possible. Toujours est-il qu'on gardera toujours quelqu'un avec la perceuse sur le dos pour au cas où ça parte en sucette, on la monte tout de suite. Tu vois ce que je veux dire? Comme ça on gagne une longueur d'avance. Ok, puff. Et bah écoute, c'est parti. C'est parti. On lance ça dès le début. Stealth, je la connais très bien cette mission et j'ai le build pour la faire stealth, mais j'ai pas du tout la tenue. Cependant, avec de la chance, j'espère qu'on arrivera au moins jusqu'à la salle de sécurité. Si on arrive à rester discret jusqu'au moment où on possède la salle de sécurité, on a déjà un gros avantage par rapport au reste. Parce qu'on pourrait mettre. C'est un niveau très difficile, hein. Enfin non, pro donc. C'est dur. Pro, c'est quand voilà, il y avait un cercle rouge, dans la vidéo précédente, quand je faisais sélection de mission, on le voyait. C'est pas que c'est plus dur, c'est juste que si jamais on foire la mission, on ne peut pas la recommencer. On doit sélectionner un autre contrat. Il n'y a pas de recommencer. C'est Mario, vous avez une vie. T'es prêt, Fanta? C'est parti. Ok, on va voir. Il y a un porteur de vie ou on a que des munitions? J'ai de la vie. Et parfait. Moi, j'ai des munitions aussi. Très bien. Bon, alors je vais faire un petit peu de repérage, mais pas trop parce que je suis en heavy maxima armure. Hein, donc je suis techniquement un Gundam. J'aimerais juste savoir où se trouve le coffre. Le coffre déjà se trouve au bon endroit, donc on pourrait le stealth, mais vraiment bien. On va essayer de retarder un petit peu l'alarme. Et ça, c'est ça. Donc mettez-vous sur les côtés, vérifiez quelles portes sont ouvertes, si le manager est sur le toit, s'il est sur le côté. Vous faites gaffe aux caméras surtout. Oui. Ok, moi. Let's get some. Ready up. Je vais voir si le manager est sur le toit déjà. All right, let's rock and roll. Non, mais il y a une caméra qui voit et là il y a un garde. Il y a un garde, je pourrais tenter de la voir si je passe par l'autre côté. Je pourrais le ligoter si j'y arrive, mais malheureusement mon armure est trop lourde. J'ai un trop gros cul. Fais gaffe, Duni. À la caméra. La caméra est pas dangereuse, c'est surtout le mec en fait. Let me see him. Yo, drop it. Qu'est-ce qui? Ah, Tenchin. Fanta! Fanta, c'est toi qui t'es fait choper par la caméra? Non, c'est Tenchin. Non, il est où, oui, Tenchin? C'est moi. Oh, c'est le sac! Bon, c'est pas grave. Je l'éteins. Go for it! Elle est où la drill? Go for it, elle est où la drill? Prenez la drill. L'entrée derrière, c'est ouvert. Il y a le manager. Au sol, manager. On peut avoir au la clé. Au sol! Il avait pas la clé sur lui, la clé était sur son bureau. Qui a pris la drill? Personne a pris la drill? Si, si. Je neutralise. Parfait. Super, installe la drill. Il faut répondre, moi je réponds à celui de gauche. Non, mais ah bah non, c'est trop tard. Fanta, l'alarme est lancée. C'est... Ah ouais. La guerre. La guerre complètement. Contentez-vous d'attacher les gens. Attacher le plus de gens possible et j'ai la clé de la salle de sécurité donc je vais aller l'ouvrir et déglinguer le gars qui est à l'intérieur. Et moi je vais prendre les billets qui doivent traîner près des guichets. Bon, il voulait pas.
Ok, en faisant ça, chers amis, en faisant tourner les caméras très vite, j'ai pris contrôle de la salle des caméras et au moins les caméras ne nous voient plus. Ils ne peuvent plus servir des caméras pour nous repérer, les flics. Parce qu'avant, ils s'en servent, hein. Et ça leur permet d'organiser leurs attaques. Putain, il est résistant, lui, là-bas. Prenez des planches. Ouais, les planches, elles sont où, les planches? Tu fais la voix de Batman? C'est clair. Et je suis désolé. Je m'excuse Duny, mais c'était ridicule sur Batman, c'est ridicule sur toi aussi, là, y a pas de respect. Ben... ça m'avait fait mourir de rire ça quand le film de Batman était sorti avec l'acteur français qui était... Moi j'ai trouvé ça génial. Le mec il peut même pas se payer un moduleur. Et le pire dans tout ça, c'est que tu prends le Batman du dessin animé, il a pas besoin de ça. C'est sa voix, ça suffit, c'est pas grave, on l'accepte. Robin. Ah non, mais celle-là, oui. Elle est magnifique, cette voix de Robin. C'est cool, ouais. On va se faire les mollets. Nous avons un petit problème de pantalon tendu, Robin. Je pense que tout ceci est tendu comme une slip de grand-mère. C'est impossible, on ne peut pas passer du coq à l'âne, hein, si, Robin. Avec cette voix comme ça, elle est magique. Elle est juste magique. Je relance la perceuse. Allez, perce, 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 saloperie. Comment moi, on défend les choses, ici? Ça défend? Cool. Attends, je l'attache, elle. Hop. Voilà, ça lui va prendre respect, lui il est mort. Alors lui je vais le mettre dans un body bag peut-être. On gère plutôt bien, pour le moment. Ils ont pas lancé d'attaque parce qu'ils ont pas osé. Ils des otages probablement. Ouais c'est ça hein. Leur place. Un truc qui est un poil dommage par rapport à ce jeu, c'est ce que je disais, c'est que je pense qu'ils auraient dû gérer plus l'échange d'otages, la négociation. Tu sais, j'aurais bien voulu qu'ils t'envoient un téléphone avec un mec les bras en l'air qui pose un téléphone devant toi, t'as le négociateur. Ah putain, ça aurait été otage. Ouais, tu vois, parce que là, c'est trop réglé en mode Call of Duty, bratata, 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 bratata. Alors qu'en vrai, les flics, ils osent pas envoyer. C'est 6 Space Marines direct bah, quand t'as un otage de 12 enfants. On ne fait que voler des choses. C'est vrai qu'il n'y a pas de variation dans le. Alors dans que là, on aurait pu être. Bougez pas ou je bute la caissière, je veux un hélico. Et tu sais, là, t'as le skill du cerveau qui permet d'avoir un hélico plus facilement ou pas. Tu vois ce que je veux dire? Ça aurait pu être sympa. Bah écoute, peut-être pour un Payday 3. Ouais, il faudrait, hein, parce que. Il y a des extensions hein, possibles. Le jeu. Ouais, c'est vrai. Le jeu est très fun, mais il y a tout cet aspect fun game qui manque, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, je comprends. J'avais adoré. D'ailleurs, excellent, là, on fait du bourrinos, mais dans le précédent épisode, on a fait une bombe entièrement furtif. Hein, entièrement furtif, ça dépend pour qui. Parce que les mecs sont morts, mais globalement, on s'en est mis plein les poches. Ok, les mecs en vert sont des mecs du FBI. C'est des skills à toi, les planches là? C'est qui les pose? Des mecs qui ramassent des planches et qui les posent, c'est Duny, je pense. Je suis sûr que c'est de sa faute. C'est quel skill? Aucun, tu prends les planches. Non, mais c'est pas un skill, tu peux le faire. T'as pas besoin de payer. Trouver des planches. Enfin, un truc dans ce jeu où t'as pas besoin de payer 12 000 $ pour être capable de couver des planches. Ouais, tu fais pas une formation de couvage de planches. C'est ça. Ou tu payes pas 16 000 $ le fait de visser ton silencieux sur ton flingue. C'est débile ça aussi. Enfin, 16 000 $. Narmel. C'est ça. Vous avez des mains de fées? Je sais. Tu les as trouvées où les planches? Touche, se transforme en or. Sur la cape. On prend plein la gueule quoi. Tenchi, il va falloir que tu te soignes. Ouais. Bien joué pas... pour le coup. Pour l'instant je me. Comment dire? J'essaie de me réserver un peu. Bah je crois qu'on a mangé ta trousse de soins anyway, donc on va pas te réserver longtemps. Mais j'ai jamais vu de trousse de soins par terre depuis le début. Nom. Elle était délicieuse, si ça peut te remonter le moral enfin. Derrière toi Bob. Merci. Tu peux exploser Bob. Très bien joué. Oui, je sais, je m'expose un peu, mais je suis très très bourrin dans mon gameplay. J'aime bien leur rentrer dedans et vider mon chargeur sur 3 personnes. Tu vas avoir besoin d'aide, il y a une sorte de... Le bouclier. Pardon, j'ai... Ah, je me fais tirer dessus par un mec dans le couloir, là-bas. Ouais. Merci bien. Y'a rien, c'est rien, ça gère. Bien sûr, vous permettez que je prenne un peu plus de munitions, brave gens. Le toit, je vais monter sur le toit et je vais m'en occuper les mecs. Restez en bas, défendez. Non mais il y a plein de monde dedans. Moi je suis mort. Reste toi. Putain, on sait pas, c'est pas bon. Mais non, le toit, regarde, il y en avait un, deux, trois. Ouais mais dans la pièce, il y en avait deux, trois. Ok, bah... Voilà. À moi la prison. Mais non.
Ah. Ah, mon sauveur. Voilà, regarde ça. Non mais... Voilà, regardez. Un videur de calash, enfin un chargeur de calash, ça a toujours réglé tous les problèmes. Si ok, vous a... je suis heureux à terre. Si vous pouvez pas régler des problèmes avec de la force brute, c'est que vous en utilisez pas assez. Proverbe orc. Ouais. Ça marche tellement bien ça. Merci, ça veut dire que tu peux protéger l'interface. Ah, on recharge derrière toi par contre, Duny, t'en as un. Dehors, moi j'en ai un autre. Fanta, où es-tu, Fanta? Ah. Chacun son tour. Attends. Je recharge. Bon, lui, je l'ai battu comme un clébard. Voilà. Et voilà. Ok, l'intérieur est clé. Est-ce qu'ils nous ont libérés un fifou là, hein? Ouais, ouais. C'est ouvert! C'est bon, c'est ouvert. La grille est ouverte devant. Oh, regardez-moi ces lingots, laissez-moi les filmer. Ces lingots, ces lingots de l'or vénézuélien. Prenez-moi toutes ces saloperies et go. Mm-hmm, tellement d'or. Par contre, vous allez ramer du cul. C'est par là, c'est par là. On suit Fanta. Attention, attention, il y a du gaz. Il va falloir qu'on sorte par le parking. Non. Non, il y a du gaz. Tout droit, tout droit. Non, pas tout droit. On sort pas par l'entrée principale. T'es mal. Ou non, on passe par le couloir. Mais passe par le couloir. Pas, il est gazé. Bon bah allons-y. C'est peut-être pas sur le. Allons-y. Je suis sur le trottoir. On s'en fout. Avancez. Ça se passe bien. Ça se passe bien. Duny derrière toi, allume le snipe. On voit sa lumière rouge. Ça se passe bien. Voilà, que ça nous suffit. Sûr. On a tous les sacs. Bah on a tout l'or qui était disponible. Recule et il verra plus. Ça se passe bien. Si je peux pas me déplacer plus vite, chers amis, c'est parce que l'or pèse extrêmement lourd. Et oh, un sac. Tire de suppression, go les mecs. 54 000 $ le sac. Go les mecs. Laser. Je vais montrer pourquoi on appelle ça une Balachnikov. Ah, voilà. On se casse. Ça va nous faire du level hein, moi je suis de level, je sais pas combien, mais ça va monter. Tu montes, Tachi? Allez. Mais t'as fini de troller, tu montes dans cette putain de bannière. Oh misère. Pas vrai ce mec, à chaque fois. Oh putain ce stress. À chaque fois quoi. Pom. 1 million d'or, bande d'enculé. Pom. C'est bon ça. C'est bon ça! Et à tous ceux ça. Qui nous regardent, est-ce que ça vous donne vraiment envie d'aller bosser tous les jours de la semaine? Moi, si ça pouvait m'acheter des armes. Précision, Fanta, joli. Excellent. Joli. Si ça peut éviter de me prendre des balles, fais voir. Attends, précision de tir de l'équipe, 27%, 34% de précision. Plus au nombre de victimes, Bob Lennon. Ouais, je l'avais dit. Mais en même temps, pourquoi tant de violence? Bah, c'est le fusil AK-47, t'y peux rien, il est magique ce fusil. Je sais pas pourquoi l'humanité. Je sais pas pourquoi l'humanité a besoin d'inventer une autre arme à feu, sincèrement. Je crois qu'en termes de balistique, y'a rien de plus efficace. Enfin, bref. Moi, je dis bravo, il va falloir peut-être qu'on titre les épisodes, hein, parce qu'on risque d'en faire un paquet maintenant. Ouais. Je vous dis merci, Duny, merci, Tenshin. Merci, les amis, pensez un petit pouce vert à partager la vidéo si ça vous a plu. Et merci, Bob, hein, t'es un très bon cerveau d'opération. Ah, mais ça fait plaisir. Toujours est-il que. Un silencieux pour Duny qui fait plaisir, une couleur dégueulasse, ouais. Je tiens à le dire, c'est jaune devant, marron derrière. Bah, c'est beau, hein. Ouais, ça donne envie. Oh, et le masque du porc. Yeah. Le masque du porc pour Fanta. Greek, motherfucker. C'est ça qui est bon. C'est complètement gratuit. Bah écoutez, merci infiniment en tout cas. Pouce vert, commentaire, faites-vous plaisir, on s'en fout. Gros bisous, jusqu'à la prochaine fois. Merci Duny, merci Tenchi. Et ben de rien. Et ben voilà, c'est tout ce que je voulais. Gros bisous Fanta et à la prochaine. Allez, zou.